vous allez bien. Alors je suis trop contente de refilmer une vidéo, par contre je suis moins contente parce que c'est une vidéo qui va me faire stresser, enfin qui me fait stresser. J'ai décidé de me couper les cheveux, voilà. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que mes cheveux, bah c'est ma vie. Et là genre j'ai vraiment trop peur, voilà, je stresse trop, voilà. Alors déjà pourquoi est-ce que j'ai décidé de me couper les cheveux? Parce que ils commencent à être un petit peu trop abîmés. Moi j'aime pas trop avoir les cheveux fins au bout. J'aime bien quand vraiment c'est droit et épais au bout. Et du coup là, comme vous pouvez voir, hein, ça fait... voilà, ils sont abîmés, coupés. Vous allez voir combien je vais couper, je crois que je vais couper pas mal. Parce que j'ai besoin d'un rafraîchissement aussi. Enfin, ils commencent à être lourds mes cheveux, j'arrive plus à m'en occuper. Enfin voilà, c'est un peu catastrophique. Donc voilà, alors là je viens de les laver. Je les ai lissés au sèche-cheveux. Parce que pour les couper, il faut qu'ils soient bien raides. Et donc si vous avez des boucles, vous avez les cheveux ondulés, il faut bien les lisser avant. Je tiens à préciser avant de commencer que ma prochaine vidéo sera ciblée sur les cheveux. Je vais vous faire une vidéo routine de mes cheveux, ce que j'utilise et tout ce qu'il faut faire pour pas qu'ils restent abîmés et puis qu'ils puissent pousser peut-être un petit peu plus vite. Donc voilà, mais j'en parle pas plus, donc c'est pour ça que je vous présente pas trop ce que j'utilise et tout ça. J'espère que ça va aller et bon, au pire si c'est moche, ben je vais courir au coiffeur demain. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti. Alors, je dois me brosser, à ce qu'il paraît je dois me brosser les cheveux genre à fond. Genre vraiment hyper bien brosser, hyper plat, vraiment ils sont galères hein. Vous devez séparer vos cheveux en deux parties égales et faire une raie super droite. Donc genre parfaitement droite des deux côtés. Donc vraiment la raie doit être hyper précise, hyper droite. Bon, je vous montre pas, c'est pas compliqué. Voilà. Ensuite il vous faudra des élastiques. Donc voilà, moi j'ai des élastiques là. Donc on va faire en fait deux couettes sur le côté. Donc vous tirez vos cheveux le plus possible. Et vous faites la couette genre en haut. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en gros on fait une petite couette en haut. Genre normal quoi. Voilà, et vous faites la même chose. Une fois que vous avez fait vos deux couettes, en fait, vous allez tirer vers le bas. Et en fait, si vous voulez, on va couper vraiment juste là. Donc je tire... alors, l'élastique, il commence à se détendre. Donc je reprends et je refais un tour. Hein. Tac. Et je continue, je continue. Je sais pas quoi faire. Non, c'est ça, je peux pas. J'ai trop peur. Non, ce serait trop, je vais pleurer après. Je vais quand même pas pleurer non plus. Bon, je sais que c'est rien du tout, mais j'arriverai pas plus. Genre, je vous le dis vraiment, j'arriverai pas plus. On coupe déjà ça et on regarde ce que ça donne. Au pire, je couperai un petit peu plus. Je stresse à mort. Je crois que je suis pas prête. Au pire, c'est quoi ça? Ça repousse. Je suis en train de faire une grosse connerie. Oh my god! Sérieux, regardez ma mèche. Non mais au secours. Non mais rien que de voir ça, j'ai envie de mourir. Mon cœur bat à plus de 100 000 à l'heure, pardon. Hein. 100 000 à l'heure, je suis chou. Je tremble en entier, non mais... Je suis grave comme fille, je suis grave. Pourquoi je fais ça? En plus, je crois que le pire dans tout ça, c'est que je fais ça devant la caméra en fait. Je crois que je vais devoir passer chez le coiffeur qui me le fasse droit parce que là, franchement, je fais de la merde. Hein. Je fais de la grosse merde. Hein. Putain. Les gars, j'ai plus de cheveux. Oh, ils sont trop courts. Ils sont courts, enfin courts. Bon bah je me suis coupé les cheveux. Ah non, j'arrive pas à y croire. Oh non, mais j'ai plus de cheveux. Je vais pleurer je crois. Regardez. Non mais regardez-moi ça.
Non mais regardez-moi ces queues de rats. Là, c'est des cheveux en bonne santé. Là, c'est des vrais cheveux et pas des queues de rats. Oh, ils sont trop courts par contre, hein. Bon, du coup, une fois que vous avez fait ça, il serait peut-être intelligent et intéressant de vraiment voilà, les faire à la même hauteur. Donc voilà, c'est fait, je me suis coupé les cheveux, donc je regrette pas du tout, vraiment pas. Ça m'avait trop manqué d'avoir des cheveux droits en fait, sans avoir des queues de rat. Voilà, ils sont bien épais, bien nourris, tout doux, enfin ça me fait du bien vraiment. Donc je regrette pas du tout. Alors au niveau de la technique, est-ce qu'elle fonctionne? Bah oui. Je me suis mis avant de dos, bah, je vous montrerai après. Ça fait un joli U, enfin vraiment la forme elle est très jolie, enfin ça donne vraiment trop bien. Donc vous avez juste qu'à faire glisser vos élastiques jusqu'à où vous voulez, vous coupez. En plus vous faites pas de chenilles, vos cheveux ils sont là, vous avez vos petites mèches de cheveux. D'ailleurs elles sont dégueulasses, faut que j'aille les couper et les jeter. Juste une chose qui est importante, c'est d'avoir un bon ciseau. Histoire que, parce qu'en fait si votre ciseau il est pas bien aiguisé, en fait quand vous allez couper, vous allez abîmer vos cheveux. Donc au final ça sert à rien de couper si c'est pour les abîmer, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai un ciseau de coiffeur, donc ça va très bien, donc vous pouvez prendre un ciseau de coiffeur. On les trouve un peu dans tous les magasins en fait, il y en a un peu partout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Moi je vous fais plein de gros bisous. Mouah.